peine que je te demande si tu penses encore à ton symbole japonais. J'en ai rêvé toute la nuit. Je savais que ça finirait comme ça, je le savais. Il ne reste plus qu'à savoir ce que ça veut dire. Moi, je sais ce que ça veut dire. Enfin, pas moi, mais j'ai trouvé le moyen de savoir ce que ça veut dire. Et comment ? Monsieur Lionel Lockridge, il s'y connaît dans ces trucs un peu bizarres. Je lui en ai touché deux mots, je lui ai dit un peu ce qu'il nous fallait, et il a obtenu un rendez-vous pour vous deux avec un certain Harry Yamada. Je vous apporte son adresse. Il a un cabinet au nord de la ville, dans le quartier japonais. Mais qui est responsable ? Je ne sais pas, un expert en art oriental, enfin, je crois. Mais vous devez y aller, est-ce que c'est sûr ? Crois-tu que je t'enverrai quelque part si ce n'était pas sûr ? Je ne l'ai jamais fait, ça, hein ? En tout cas, il y a une chose qu'on m'a affirmée, c'est que la police ne va jamais traîner dans ce coin-là. Je ne sais pas pourquoi. Non, non, je ne veux pas que vous alliez vous promener comme ça. Ce serait prendre beaucoup trop de risques. Je sais, mais je crois que ça en vaut la peine. Moi aussi, je préfère faire ça plutôt que de rester ici et de ne pas prendre d'initiative. À propos de prendre des initiatives, il va aussi falloir songer à faire parler notre ami Nicolas. Ça m'étonnerait que ce soit lui qui fasse cette démarche. Donc, moralité, il faut trouver un moyen de le piéger. Et donnez-moi, on en a parlé je ne sais combien de fois, mais franchement, on ne voit pas très bien comment on peut faire. Je suppose que pour vous, ça doit être la même chose. Eh bien, une fois de plus, je crois que je pourrais bien vous surprendre.